vais essayer de passer, attention, il est très fort dans ses... Donc je suis plutôt contente de pouvoir avoir ces stats-là. Exactement.
avez raison d'être heureuse puisque vous réalisez un superbe début de saison avec l'OL. C'était un match spécial pour vous, Melchi, ce soir, puisque vous affrontiez votre ancien club Reims. Vous avez eu du mal à célébrer votre but, c'est la raison? Effectivement, donc là je suis à la maison. Donc même si je suis partie, c'est quand même ma maison quand même. À Reims, j'ai passé des saisons ici, donc c'est un signe de respect envers mon club, mes coéquipières aussi. Donc même si j'ai manqué quand même, c'est un signe de respect envers elles. Maison, mais Haïti aussi, c'est votre maison. Vous avez commencé le football, j'allais dire les pieds nus, et maintenant on parle de vous comme futur Ballon d'Or. Comment on garde la tête froide? Pensez aussi. Déjà, je me rappelle mes débuts en Haïti, c'était effectivement pieds nus. Mais j'arrive à garder les pieds sur terre parce que c'est l'objectif de faire mieux à chaque match et je suis toujours exigeante par rapport à mes occasions, les occasions que j'ai eues et aussi à cette exigence-là d'apporter un peu plus à l'équipe. Donc, arriver à trouver le point de perfection, même si ça n'existe pas parfaitement dans le football, mais c'est toujours ça passe toujours par le travail et dans la continuité pour apprendre et progresser, apprendre de ses erreurs et faire mieux à chaque match et pouvoir faire encore mieux dans les grandes compétitions. Amandine Miquel, pour rebondir sur ce que vient de dire Candice Prévost, votre ancienne coach au Stade de Reims, a dit que vous auriez un jour le Ballon d'Or. Elle a raison de dire ça sur vous? On l'aperçoit ici à l'image. Je pense que oui, elle a raison. Donc, pour toutes joueuses et joueurs, c'est un des trophées, comment dire, qu'ils rêvent d'avoir. Donc, ça me colle ma tête. Mais comme je vous le dis, donc, il y a encore beaucoup à faire pour arriver à atteindre cet objectif-là. Ça passe déjà par remporter des trophées collectifs individuels pour arriver à cet objectif-là. Donc, aussi dans les entraînements. Et donc, on va continuer cette lancée-là. Eh bien écoutez, on espère vous recevoir avec le Ballon d'Or sur le plateau de Soir de Deim dans pas très longtemps. Alors Melchi Dumornay, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous retrouvera après la trêve internationale avec l'OL pour ce match très important face au Paris FC. Ce sera le 5 novembre.